Bonjour à tous, c'est moi Micien, on se retrouve pour ce 23e épisode sur Subnautica. Et du coup aujourd'hui c'est l'épisode du Cyclops, puisqu'on va pouvoir le crafter, on a tous les ingrédients, sauf un petit truc. Il manquait du lubrifiant. Donc je vais vite aller en chercher comme ça direct. Et puis on va pouvoir faire le Cyclops. Et on va réfléchir un peu à ce qu'on va faire d'autre. Je pense qu'après le Cyclops on va aller voir... On va se taper une petite expédition pour aller voir ce petit pointeur là-bas. Emplacement proposé de base du Degasi. À 500 mètres de profondeur. Je pense que le Cyclops y va. Au pire, le Simoff, il y va tranquille, il va à 900 mètres. Et ensuite, on verra ce qu'on peut faire en plus. Il y a quand même plein de choses à crafter, donc on aura le temps. Peut-être que dans la nouvelle base, vu que c'est la suite de la base du Degasi, il y aura peut-être des morceaux de centrales nucléaires. Et du coup, ça permettrait de pouvoir construire la centrale nucléaire, d'avoir plus d'électricité. Pourquoi je vais là-bas, moi? Je suis attiré par mon ancienne base. Alors qu'en fait, je suis juste venu prendre une graine. Hop. Voilà. Wow. Il m'a foncé pile dessus, quoi, le mec. Je tourne la tête, boum. Ah, pour retourner dans la base. Ouais, du coup, je disais. Oui, il y a plein d'autres choses à crafter. Il y a le Proin, par exemple. Ça, c'est pour aller encore plus profondément. Et donc, peut-être que dans la base des Gazi, il y aura des morceaux de centrales nucléaires. Et donc, si on a plus d'électricité, on pourra faire plus de choses dans la base. Donc, par exemple, les appareils de filtration d'eau. Augmenter la portée du scanner. Éviter de recharger à chaque fois le truc. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les plantations aussi à faire. Bref, il y a pas mal de choses. Je devrais pas venir par là. Tac. Je garde mon Simoff. Alors, lubrifiant. Hop là. Du coup, je fais les morceaux de verre émaillé aussi. Verre. Verre. Là, et on va l'émailler. Donc il y a trois verres à émailler avec trois dents de rôdeur. Ok. Je pense qu'on a tout. Les trois plombs, le kit et les trois plastacier. Vérifions. Ouais, on a tous les ingrédients pour faire le Cyclops. Du coup, c'est parti. On va à la baie de véhicule mobile. Je crois que c'est là-haut qu'on doit le faire. Vu que j'avais créé un nouveau Sidimov puisqu'il était cassé, j'ai remis une baie juste là-haut. Je sais pas où elle est exactement. Mais je l'avais mise vers l'arbre. On devrait la voir. On devrait, je sais pas où elle est. Ah, je la vois aller là-bas. Elle a un petit peu dérivé, non? Oh non, ça va. Hop. Oups. Je l'ai récupéré, je crois. Je voulais juste grimper dessus. On n'est pas sur l'arbre. Non, l'arbre est ici, ça va, il y a la place normalement. Je sais qu'il faut pas le faire dans le biome de base, sinon le cyclope se coince. Alors. Le Cyclops. Oh, nouveau schéma, amélioration du lanceur de leurre du Cyclops. Ah, lanceur de leurre, c'est pas mal. Gardez bien en tête que le Cyclops était conçu, hein, seuls les pirates expérimentés peuvent se risquer à diriger ce véhicule sans aide. Ah, il est joli. Et il est gigantesque. Plouf. Et voilà. On pourra aussi lui mettre des couleurs, du coup proposez vos couleurs en commentaire. On va pouvoir... On va pas faire les mêmes couleurs que le Simoff.
Alors, on rentre par où? Il y a plusieurs trucs. Montez à bord du Cyclaps. Donc, Karl Simov dedans, du coup. Welcome aboard, Captain. Ah, what mec. Ok, donc il y a une échelle ici pour aller au cockpit. On a plein de stockages qui sont assez gros, ça c'est cool. Il y a de quoi stocker, 1, 2, 3, 4, 5 compartiments. Ensuite, il y a des portes qu'on peut fermer, je sais pas de quoi ça peut servir. Sûrement quand le Cyclops prend des dégâts pour pas qu'il y ait des inondations de partout. Ensuite, on monte à l'étage. Je pense que sur tous les murs, on peut mettre aussi des fabricateurs par exemple. Là, on a le moteur. Accès des améliorations. Il y a 6 améliorations possibles. Là, on a des batteries haute capacité qui sont déjà chargées. Un extincteur. C'est quoi ça? Tube de chargement de leurre. D'accord, c'est pour recharger les leurres. Pas mal. On a d'autres batteries ici. Fabricateur d'amélioration. Du Cyclops. Ah, c'est cool. Amélioration de rendement. Générateur de bouclier. Sonar. Lanceur de leurre. Ok. Là, c'est pour garer le Simov. Ça, c'est justement... ah non, ça c'est pour personnaliser le Simov. Là, on a une petite salle. Et là, on a le cockpit. Avec la santé. Une vue générale. Éclairage interne on-off. Les phares, l'éclairage interne, ok. Ça c'est pour le personnaliser. C'est sympa. Hein. Du coup, je vais le conduire. On va voir combien de mètres il va. Ah, moteur déconnecté. Faudrait que je le recharge. 500 mètres de profondeur. D'accord. Ah, comment on active le moteur du coup? Est-ce qu'il faut cliquer dessus? Engine powering up. Moteur activé. Ok, ça c'est la vitesse. Ahead flank, emergency speed. Ok. Mode silencieux. Ah, une caméra intégrée. Ah non, c'est la caméra qui a l'air d'être en dessous. Il y en a une caméra au-dessus. Caméra château, caméra vis. Quille. Château et vis. Ok. Bon ben... Warning, vessel cavitated. Excessive noise. Ah. Bon, pour l'instant on va pas vite, on va mettre juste à 2. Alors, je vois rien du tout. Ah. Ok, ça c'est des phares. D'accord. Donc ça c'est en haut de l'arbre. Est-ce que je peux le contrôler par rapport aux caméras? Ah ouais, ça c'est cool. Moi ça me permet de voir ce qu'il y a en dessous. Et je pourrais bien l'amarrer. J'essaie de revenir. Bon voilà, je vais le laisser là. Hop. Et voilà. Bon bah je vous propose qu'on aille voir le truc à 500 mètres. J'espère qu'il n'y a pas de problème avec le Simov. Peut-être qu'avant d'y aller en fait je vais mettre le module de défense. Parce que je crains que le Simov soit pas très... soit assez fragile quoi. Je sais pas ce quel mob il y a là-bas. Voyons voir. Module d'amélioration, blablabla. Station de modification j'imagine. Amélioration des véhicules. Renfort de coque. Est-ce que c'est ça? Ouais, je pense.
Y a quoi dans les modules de station de modification? Ici. Non, y a que... Y a ces autres choses. Ok. Voilà, ça doit être renfort de coque. Titane 3, lithium et 4 diamants. C'est cher en diamants, mais ça devrait aller. J'en ai pile assez. Titane 3. Et un lithium. Et on va le crafter. Je crois que c'est là-bas. Hop là. Voilà, comme ça on peut aller direct. On sera un peu plus safe. Ensuite, avant d'y aller, je vais boire. Hop. On a encore des bouteilles, donc ça va. Et au cas où, je vais prendre un petit truc de nutriments. Je risque d'en avoir besoin. Je suis pas sûr qu'on trouve des bêtes pour se nourrir. Bon. Est-ce que tout est bon? On va penser à recharger ce truc. Du coup, c'est parti. Donc, je garde le Simov à l'intérieur du Cyclops. Il est là. Wow. Comment je fais pour y aller là? C'est bon, ça passe. Tac. Et voilà. Allons-y, c'est parti pour une expédition. Ça doit être le bruit, j'imagine. Alors, je tourne. Ah, il y avait un truc derrière. C'est là-bas. Allez, en vitesse maximale. Bruit excessif. Ouais, ça avance. Je sais pas si c'est extrêmement rapide. Surchauffe du moteur. Ah. On peut pas... Je pense qu'on peut pas le laisser tout le temps. Allez, vitesse de croisière. Faudra voir un peu tout ce qu'on peut faire avec le Cyclops. S'il y a un sonar intégré, ça peut être cool. Pour faire des phases de récolte. Donc là on est à 1000 mètres, on s'approche, sachant qu'il y a 500 mètres de profondeur, donc ça doit pas être si loin. Ou l'attention. Bon, le moteur surchauffe plus trop, hein, je peux remettre un peu de puissance. Là le capteur commence à descendre, donc c'est-à-dire qu'on s'approche. Attention la bête. Surchauffe du moteur. Cette zone est bizarre. Ok, on y est là. Je vais commencer à descendre. Faut que je fasse gaffe, c'est vrai que le truc est gros. Ça a touché. Non. Non, non, ça va. Je vois pas trop ce qu'il y a dessous. À la limite, faudrait activer le klaxon. faudrait que je voie un peu les caméras. Ah voilà, ça c'est pas mal. La quille aussi, ça peut être cool. La quille c'est devant. Ouais, je crois. Bon, là par contre faut que je fasse gaffe. Ça risque de toucher. Je pense qu'on va s'arrêter là. Hop là. Ah ouais, il y a un petit bip. On va pas être très loin de toucher. Et donc là, je sors le Simov. Est-ce qu'on désactive les lumières? Ouais, si ça économise de l'énergie.
époque. Ça donne une petite ambiance. Hop là, j'y suis. Alors, où es-tu, capteur? Oh, mais il y a des trucs ici. Ah, c'est une cassette temporelle. Ouvrir. Générateur de bouclier du Cyclops. Intéressant. Ah non, il y a encore ces bêtes. Casse-toi. Vilaine. Non, ça sert à rien. Hop, y'a rien dedans. Ah, les sacs gélatineux, je sais que c'est assez rare. Je prends. Ah, du quartz. J'ai vu qu'il y avait du rubis, c'est vrai qu'on en a plus. Donc je vais en prendre un petit peu. Est-ce que c'est bien du rubis? Ouais. Et y'en a plein. C'est quoi ça? Un truc de... bizarre, un truc de d'oxygène. Circulation d'eau, je sais pas trop ce que c'est. Il y a plein de petits pipeurs d'ailleurs. Je vais en récupérer. Ah, il se fait avaler. Je sais pas si on peut crafter ces trucs, ça serait cool. Des avaleurs de pipeurs. Et voilà. Aïe. Encore une petite bête là. Ah, y'a plein de quartz. Ok, on va revenir vers le Simov. Tac. Alors, j'avais paumé le capteur, il est par là-bas. Je vois pas comment on peut y aller. Il n'y a pas vraiment d'accès en fait. Ah, peut-être par là-bas. Une faille. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose. Ah, peut-être ici. Ah ouais, là il y a un truc là. Là ça descend. Je crois qu'on est dans les autres troupes d'ailleurs. Non. Bon, on a un renfort de coque. Ça devrait bien se passer. Je reconnais ce biome. Bon, je m'éloigne un peu du capteur, mais je pense que ça va revenir dessus. Tiens, je vais prendre un peu de quartz. Wow. C'est quoi ce bruit? C'est vraiment flippant. Je vais prendre des petits champignons pour le réacteur. Ça pourrait peut-être faire de l'énergie, ça. La dernière fois, je les avais complètement perdus. Ok, donc le truc est derrière moi, mais j'arrive pas à y aller. En tout cas, pas tout de suite. Là, je suis quand même à 400 mètres. Mais c'est vrai qu'il est loin. Et après, si je vais par là-bas, je vais remonter, je pense. C'est bizarre, ce bruit. Vous savez quoi, on va sauvegarder. Alors... ah, ça redescend par là. C'est très profond.
Ouais, sauf que là, je dépasse les 500 mètres de profondeur, en fait. Bon, c'est pas grave, on y va par curiosité. Profitons que le Seamoth peut aller profondément. Et ouais, je reviens au même endroit. J'avais pas vu ça. Qu'est-ce que c'est? Y'a rien ici. Non, ça a l'air d'aller. Ça se scanne. Ancien squelette. C'est un squelette d'un gros poisson. Et on peut rentrer dedans apparemment. Ok. Je vais continuer d'explorer cette zone là, on va voir ce qu'on trouve. Des petits poissons, ils ont pas l'air méchants. Il y a un embranchement. Bon, je prends à droite. C'est quand même bizarre ici. Je crois qu'il n'y a plus rien si par là-bas. Ah. Emplacement de base du dégazi. Apparemment, il est 3 devant. On dirait que je l'ai rejoint. Il y a des boules bleues. C'est quoi ça? Un petit bug. Ok, on y arrive. Effectivement, il y a une base. C'est grand cette zone. Alors, on y rentre... Bon, c'est un peu pareil, je vais rentrer par là. Hop là. Oula. Le scan révèle un grand réseau de grottes. Oh, c'est quoi ça? Oh, il est pas joli. C'est un genre de pieuvre... avec plein d'œil. On va essayer de pas trop s'approcher. Je sais pas si c'est elle qui m'a fait mal là, ou si c'était un truc d'avant. Bon, je crois qu'elle a envie de m'attraper. Moi là-dedans, je suis à l'abri. J'espère qu'elle mange pas mon Seamoth. Au pire, j'avais sauvegardé. Mais bon. Un PDI. Ah, Degazi 7, c'est la suite. Une boîte de données. Palme de charge. Intéressant. C'est quoi ça? Une machine à café. On peut se faire du café du coup. Pas sûr qu'on trouve les morceaux de trucs nucléaires ici. Une valise, ouais. Je prends. Ça c'est vide. Ouais, il y a des trucs peut-être là dans les boîtes. Là je vois qu'il n'y a rien d'autre. Et il veut pas me lâcher hein, la bête. De sortir, j'espère que je vais pas me faire avoir. Ah, apparemment, ça va, je prends pas de dégâts. Ah, un PDA. Journal de Paul Torgal 3 à la fin. Ok. Est-ce qu'on peut rentrer dans ce truc? Ah, ouais, là, il y a une écoutille. Unité de confinement pour aliens. Oh! C'est quoi? C'est pas l'aquarium? C'est autre chose. Un PDA. Ah non, une boîte de données. Parce que ça a débloqué. Un autre PDA. Journal vocal des Gazi 9. Désastre. Ok. J'ai vu qu'il y avait une
Échelle, j'espère que j'aurai assez d'oxygène, faut faire gaffe à ça. Est-ce qu'on peut aller là-dedans? Bon, je vais reprendre du souffle avant. Il est où mon Simov? Ah, mais elle a pas pété quand même. J'ai l'impression que oui. Soit elle a pété, soit elle a envoyé loin. Faut bien que je regarde. Bah normalement il y aurait l'icône en fait. Et là elle est pas du tout. Bon. Bah je pense qu'on va devoir recharger la sauvegarde. Ah c'est dommage. À cause de cette bête. Bon bah je vais recharger la sauvegarde et on se retrouve ici pour le prochain épisode. Et on essaiera de pas se faire voir par la bête cette fois. Donc je vous dis à très vite pour l'épisode numéro 24. Bye bye.